Bonjour, aujourd'hui on va parler de budget. Mais avant de commencer, je vous ramène un peu au Moyen-Âge. Le terme budget vient d'un vieux mot français, budget, qui veut dire budget. Comme en latin, bourgon, qui veut dire les sacs ou les coffres dans lesquels le voyageur apportait ses effets personnels. Alors, budget veut dire quoi? Le terme budget, comme définition, budget, c'est une prévision des revenus, des dépenses. Je dis encore, le budget, c'est une prévision de revenus et des dépenses d'une entreprise, d'une société, d'un individu, d'un particulier ou d'une famille. En d'autres termes, le budget, c'est un document qui va tout simplement nous donner l'ensemble entre les ressources et les dépenses. Quand on parle de ressources, les ressources, ce sont la distribution, comme la production. Et les dépenses, comme les salaires, comme le paiement de l'internet, de l'eau, ainsi de suite. Alors, il est important, comme intérêt du budget, le budget nous aide à la planification, à l'évaluation et à la prise des bonnes décisions à titre prévisionnel. Comme intérêt, j'ai dit comme intérêt, alors il est important de savoir la différence entre vos envies et vos besoins. J'ai dit, vos besoins, c'est comme acheter la nourriture, avoir les moyens de transport. Et vos envies, comme partir à vacances, participer au concert, ainsi de suite. Alors, pour y arriver, bref, le budget nous aide, je peux dire, le budget nous permet à la prise de bonnes décisions financières pour atteindre nos objectifs. Mais pour y arriver, il fallait avoir un plan. Et donc ce plan qui va vous donner la discipline d'avoir ce qu'on appelle le budget et va nous aider dans la vie quotidienne. Donc faire un budget, c'est comme planifier votre vie et c'est l'échelle de la vie. De la vie financière, je pourrais dire le commencement, l'échelle de la liberté financière dans la vie d'une personne. Alors, si tu aimes ce partage, n'oublie pas d'abonner, de liker, de me partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci, ciao.